Alors, les outils que j'utilise pour faire mes bandes dessinées, maintenant je les vais directement à l'ordinateur. Je dessine avec, je ne sais pas si on la voit là, je dessine avec ma tablette graphique ici, avec ça ici direct à l'ordi, je ne peux plus m'en passer. Mais avant, je dessinais avec un rapido ou une plume avec de l'encre. Mais du coup, j'ai plus d'original, mais en même temps, j'aime beaucoup travailler direct à l'ordinateur. Comment je me sens? Est-ce que je me sens artiste ou cinéaste? Je sais pas. Moi, j'aimerais ça dire artiste parce que je peux dire j'aime les artistes. Je me sens bien avec les artistes. Mettons s'il y avait un groupe avec qui j'aimerais me tenir, ce serait des artistes plutôt que des artistes en général. Ça pourrait être des artistes de toutes sortes de choses, mais qui sont artistes. Alors, ouais, je dirais que je suis artiste. Comment ça aussi. En fait, elle est super contente parce que son vœu était exaucé. Là, il y a un bonhomme, lui, qui va dire, Oh Philomène, protège-moi de mes pensées impures. Donc là, on fait un bonhomme. Là, je fais vraiment le bonhomme. Je vais mettre un petit. Hop. Ça. Lui, il est pas très con, il est un peu inquiet ouais, à peu près. Il faut que je le refasse. Là, j'aimerais ça une autre madame qui ressemble à aucune des madames. Mais là, je vais aller voir qui ressemble pas à elle. Je ne voudrais pas quelqu'un qui ressemble à elle. Et que je vais aller voir dans ma banque. J'ai fait une banque de madame sur tous les vêtements. Quelle tête elle pourrait avoir? Un fichu sur la tête, peut-être. Un petit bandeau, elle a déjà. Ça m'a pris des années avant de rajouter juste ça pour que ça dise c'est une femme. Puis J'aime les filles. Là, l'idée c'était qu'elle soit sexy, donc même ça suffisait pas. Donc là, j'ai pris des nues, mais des nues comme courbées, des peintures. Puis là, j'ai vraiment décalqué les corps. Mais là, c'est super moche. En fait, c'est pas ce que c'est un corps, hop, pour que ce soit joli. Vraiment les proportions. Mais mettons, je sais pas dessiner, alors c'est pas ça, mais. C'est pas ça non plus. Puis là, j'ai mis mes têtes d'animaux mais à des corps que j'avais décalqués par-dessus des corps. Donc, pour qu'elles soient sexy. Mais maintenant, en fait, je trouve c'est intéressant que la mode, c'est le gender et que tout soit confondu. Parce qu'un homme peut être féminin, une femme peut être masculine, une femme peut être très androgyne, un homme aussi. Je trouve ça intéressant ce qu'on vit en ce moment par rapport au genre. Fait que finalement, j'en reviens à quand j'étais jeune, puis ça, j'ai aucun problème à dire ben ça là, c'est une femme. Ça me pose plus de questions. Parce qu'avant, je me disais ouais, mais parce que je trouvais que je ne savais pas dessiner des femmes bien. Puis je trouve que quand je voyais les femmes dessinées, soit en film d'animation ou en bande dessinée, c'est hyper stéréotypé. Et là, en fait, moi, c'est pas. Mes personnages, il faut qu'on me croie si je dis c'est une femme, mais je veux pas être obligée d'insister avec des cheveux longs, puis des seins.
Non, moi je préférerais même faire retourner à ça, comme ça, puis qu'on me croit, je dis ça, c'est une femme. Elle s'appelle Janine, et puis c'est une femme. Et elle est vraiment sexy. Et elle est vraiment sexy. Oui, mais on le sait pas. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Ah, waouh, oui. Mais ça, j'ai fait un grand parcours par rapport à tout ça, puis je trouve ça intéressant de plus être. De plus être gênée. Là, je viens de faire une bande dessinée, puis je me suis dessinée. Et tous les personnages, vu que je commence comme ça, là, on a des, tous les personnages ont des oreilles de chat. Puis moi, je suis dans la bande dessinée, puis je suis exactement comme ça. J'ai même pas de sein. Mais c'est moi. C'est moi quand même. Puis il y a Godard dans mon film, dans ma bande dessinée, il est exactement comme ça. Mais il y a juste un petit peu, il y a comme du poil, puis un gros cigare, puis des lunettes fumées. Il y a eu un problème avec Angoulême, il y avait très peu de femmes, et j'ai l'impression que ça a provoqué une prise de conscience. Mais comme par exemple ici au Québec, ça va bien de ce côté-là, il y a vraiment une émergence de jeunes aussi qui refont une bande dessinée un peu nouvelle. C'est très rafraîchissant de voir les jeunes arriver puis faire des bandes dessinées. Puis beaucoup de femmes, il y a Iris, Caton, il y a. Là j'ai un blanc, mais il y en a beaucoup. C'est elle qui va dire faire du poker. Parce que ça aurait été lui d'habitude dans les stéréotypes, mais j'aime autant que ce soit une femme. Parce qu'on a. Il y a les femmes aussi ont à combattre la drogue, le poker et l'alcool. Et la drogue. J'imagine. Enfin, en fait, c'est pas que j'imagine, je sais. Alors, on a commencé de travailler sur l'histoire de Anna Mendieta vraiment à la centrale, dans cet espace. Et on c'était une discussion autour des publications à la centrale. Alors, comment est-ce qu'on peut faire des publications qui ne sont pas liées à une exposition, mais qui a une vie plus longue? Alors, on pensait peut-être au lieu d'écrire quelque chose sur quelqu'un maintenant, peut-être on peut aller en arrière et choisir une femme qu'on trouve importante et parler d'elle et un peu faire le lien entre son travail et maintenant. Et la chose qui était intéressante avec Anna Mendieta, que quand on a commencé ce projet, il n'y avait pas d'informations vraiment sur elle. C'était même, je n'ai pas entendu d'elle à l'école. Et c'était intéressant parce qu'ici, au nord d'Amérique, c'était un peu comme, on ne parle pas de ça, mais en Europe, il y avait beaucoup de personnes qui parlent de son travail, de son carrière. Alors, c'est un peu ça, on a décidé de, je veux bien travailler avec une BD parce que j'ai trouvé que c'était une forme visuelle et aussi fait une publication qui parle de l'histoire de l'art avec une femme importante. Alors, j'ai fait un appel au Caro, et je ne connais pas elle, mais j'ai vu son travail avant. Et à ce point, j'avais déjà fait la recherche, écrit l'histoire, un peu j'avais les pages. Les idées de qu'est-ce qui sont sur les pages. Et c'était vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Je peux voir comment faire. Alors, Carol a dit, je vais faire deux pages. On va faire une réunion et voir si on peut travailler ensemble. Et c'était intéressant parce que quand j'ai vu ces pages, c'était vraiment pas exactement qu'est-ce que j'ai pensé, mais c'était la même chose, mais de l'autre direction un peu. Et comme tu vois avec ses dessins, ils sont super fantastiques. Alors, j'ai pensé tout de suite, oh, je peux travailler avec cette BDiste. Et on a vraiment travaillé bien ensemble, tellement que
elle a fait des changements dans le texte en discussion et moi j'ai fait des changements dans ses dessins un peu. Alors c'est pour cette raison qu'on dit c'est pas comme écrit par Christine Redfern, dessin Caro Caron, c'est un peu qui est Anna Mendieta, Caro Caron et Christine Redfern. Je pense, qu'est-ce que je pense des femmes BDS, les femmes dans l'art? J'ai toujours pensé que dans le moment, on voit qu'est-ce que les femmes font. Tu sais, on voit dans la scène montréalaise, si toutes les femmes qui s'impliquent, qui sont des artistes, qui travaillent, n'étaient pas là, c'est pas la même chose, c'est pas la scène. Et j'ai trouvé que beaucoup de temps, au moment, on sait que les femmes sont là et travaillent fort, mais quand on parle de l'art, quand on donne des opportunités, quand on écrit un peu l'histoire, des fois, les femmes ne sont pas là. Alors, beaucoup de temps avec comme le BD sur Anna Mendieta, on a choisi elle aussi parce que sa vie, elle a devenu, sa carrière a commencé au début de la révolution féministe et un peu, il y avait un peu un backlash dans les années 80 et ça c'est quand elle est morte. Alors j'ai pensé, oh, ça peut être intéressant de regarder, oui, sa carrière, son art, mais aussi voir sa vie un peu en relation avec les droits des femmes, où elles sont dans la société. Alors, moi, je pense que j'étais toujours féministe. Et oui, la galerie a beaucoup d'artistes. Maintenant, je suis comme directeur, commissaire au Elephant, ici à Montréal, dans le quartier des spectacles. Et oui, on a beaucoup de femmes artistes, mais c'est pas, je ne représente pas parce qu'elles sont des femmes, je représente parce qu'elles sont des meilleures artistes et j'aime bien qu'est-ce qu'elles font. Mais je pense des fois, le champ, like the playing field, un peu, c'est le champ, c'est plus difficile pour les femmes, je pense, on voit dans la société, c'est pas égal. Alors toujours j'essaie de, dans ma vie, quand je parle, quand je travaille, d'essayer de un peu, tu sais, faire l'inclusion de tout le monde. Caro a essayé avec ses dessins de respecter cette partie de son œuvre et c'était la première fois dans Qui est Anna Mendieta qu'elle a fait des vraies personnes. Avant ça, c'était toujours comme des poissons ou des personnes avec des grands yeux. Et on a ça dans le BD aussi, mais c'était la première fois que vraiment elle a essayé de faire une représentation d'une personne. Alors, c'était intéressant pour elle et parce que beaucoup de la travail de Anna Mendieta, ses performances, ça parle de la corps et la corps féminine comme représentation de l'humanité, de la terre, de c'est de comment nous sommes toutes connectées un peu. Mais même elle a mettre des personnages, même pas dans le texte, comme je pense qu'il y a une Kurt Cobain qui elle a mis en arrière, il y a comme Prince. Il y a, je pense, quelqu'un de, un rapper, j'oublie, je pense que c'était Beastie Boys. Alors, elle a comme juste pour s'amuser quand elle fait des foules et des choses où en arrière, elle aussi met des personnages de ce temps. Comme une personne qui fait des expositions, qui fait des grands dessins et qui, je me sens très connectée aussi à une réflexion sur l'utilisation du dessin à travers l'histoire. Moi, le dessin, en fait, est un moyen de raconter l'histoire des idées,
de différentes civilisations, de différents temps dans l'histoire. Je trouve la question de comment on représente le temps et l'espace dans la BD très intéressante, parce que la BD, en fait, elle utilise un outil qui est de mettre, de transformer l'espace de la page dans une mesure de temps. Et ça, ça a été utilisé depuis très longtemps, par exemple dans l'Ancien Égypte ou dans les temps des Romains. On utilise exactement les mêmes outils qui est de considérer qu'une partie de la page, souvent celle en haut, va être plus loin que le bas de la page qui est celui où on se trouve, c'est le plus proche de la personne. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça et j'aime aussi briser parfois cette expectative, parce que quand on a lu beaucoup de BD, c'est ça qu'on s'attend. On s'attend à des cadres. J'aime parfois bien tout briser et faire une page qui peut parler de... Il y a une mesure de temps qui est vraiment les secondes, les minutes, mais il y a aussi un temps psychologique qui est très important. C'est si on est ennuyé ou si on est épeuré, le temps passe beaucoup plus lentement que si on est en train d'avoir du fun. Donc comment est-ce qu'on représente ça sur une page? Ça, c'est des questions aussi stylistiques. On peut choisir de différents cadres, on peut choisir de briser les marges, ce qui est quelque chose que les mangas font très souvent. Où on peut choisir différentes techniques de dessin qui vont nous rendre compte de, oui, l'espace de la page est toujours le même dans le livre, mais cet espace ici, il est condensé, ou cet espace ici, il est élargi, parce qu'on est en train de raconter des émotions. Personnellement, je m'identifie comme artiste. Souvent, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis je fais des dessins. C'est pas souvent que je réponds je suis artiste. J'ai fait des dessins. C'est intéressant pour moi de voir c'est quoi la question qui vient après le dessin. Beaucoup de gens vont demander oh, des dessins pour des annonces publicitaires. Beaucoup de gens vont demander oh, tu fais de la BD ou tu fais des illustrations. C'est très rare que les gens demandent si je fais des expositions. Je pense qu'il y a une connotation avec le dessin comme ayant un côté pratique. Donc j'aime bien dire moi je fais des dessins. Et à partir de là, établir une discussion avec les gens. Comment lire une bande dessinée? C'est une question que beaucoup de gens se posent, parce que le rapport au temps et le temps et l'espace sont très liés en bande dessinée. Moi, c'est une question que j'adore. Je fais des études en littérature du Moyen-Âge. Et j'aime beaucoup l'histoire de l'art, en fait. Je trouve très intéressant que la bande dessinée, elle récupère des techniques, des perspectives qui existent depuis des temps très anciens, depuis le temps de l'ancien Égypte, le temps des Romains, le temps du Moyen-Âge, où sur une page, on va devoir raconter une histoire. Donc, on a décidé que le haut de la page à gauche va être le moment le plus lointain, et le bas de la page à droite, c'est le moment le plus proche de nous. Le moment au sens du temps. Ça commençait avec l'idée, forcément, donc une esquisse. Je prenais un crayon au plomb, un cahier d'esquisse, et puis je dessinais grossièrement les personnages, les bulles et les textes. Bon, ensuite, il s'agissait de prendre un grand carton blanc bien propre et de dessiner tout d'abord les cadres. Mm-hmm. Ensuite, toujours en étape d'inscrire le texte,
puis de faire le tour des bulles. Et dans ce qui restait de l'image, ben là, on faisait le dessin. Donc, je faisais une première esquisse. Je regardais un petit peu de loin, des fois dans le miroir, pour avoir une bonne idée de l'équilibre. Et ensuite, j'y allais avec l'ancrage, donc plume à l'encre, mm-hmm. et face, enlever l'encre. Et puis, finalement, épreuve et non des moindres, on mettait de la trame avec de l'exacto, une trame autocollante qu'on découpait à l'exacto. Et quand j'ai eu la chance de travailler à Châtelaine dans les années 76-77, j'avais la couleur en plus. Alors là, c'était pareil. Il fallait pour chaque couleur mettre un étage. Donc jaune, rouge, bleu. Mais quelquefois, on me disait, t'as seulement une couleur. Alors là, il s'agissait de découper à l'exacto l'espace exact où la couleur allait apparaître. C'était une tâche infinie. Puis ensuite, il fallait envoyer son dessin par la poste, attendre l'opinion de la rédaction. Là, je parle de Châtelaine surtout parce que c'est là où j'étais le plus longtemps, 2 ans et demi. Et finalement, recevoir son chèque. C'était des idées pour lesquelles on luttait, mais en même temps, il y avait un consensus social. Les femmes sortaient de la période noire. Les femmes avaient acquis enfin le droit de vote et surtout le droit d'avoir un compte à elles. On oublie souvent que c'est dans les années 60 au Québec, 64 pour être précise. Donc j'étais 10 ans après, là, tu sais. Mm-hmm. On sortait d'une époque vraiment assez pitoyable pour les femmes. Puis c'était la première génération de femmes qui avaient ce discours-là. On pouvait pas ne pas être féministe. En tout cas, je savais pas d'amis qui disaient « Moi, je suis pas féministe. » Ça existait pas, là, tu sais. On était tout embarqués dans ce système-là. Puis les hommes étaient super contents qu'on soit comme ça. Donc, il y a eu tout de suite une réponse favorable de nos copains, de nos chums, de nos amis. Tout de suite après l'Université Laval, dans le fil des événements, ils m'ont demandé des BD. Mais c'est sûr que je faisais de la BD féministe, surtout axée, tu sais, quand il y avait des événements particuliers pour les femmes. Le 8 mars, par exemple, on me demandait une affiche, etc. Donc, ça n'a pas été un effort. C'était comme dans l'air du temps. Entre 5 et 10 % des femmes en BD. Et il y a beaucoup de raisons. Il faut lire mon livre. Mais grosso modo, c'est un métier c'est un métier qui est un peu de l'artisanat. Puis souvent, c'est des gangs de gars. Ils sont connus dans les collèges, dans les écoles de beaux-arts. Puis ils commencent des fanzines, ils commencent des petites revues. Maintenant, ils commencent des sites web. Et les filles ont beaucoup de difficultés à entrer dans ce domaine-là. L'onirique masculin en BD est extrêmement difficile à accepter pour une femme. C'est des belles filles pulpeuses avec des gros seins. Puis je pense pas que les femmes dessinatrices se trouvent attirées par les femmes qui sont des femmes objets dans la BD des gars. Et ça aussi, c'est un tout, hein. C'est un système. C'est extrêmement difficile pour une femme, ça va, mais pour les femmes comme groupe, c'est difficile d'arriver à percer dans ce monde-là. Et c'est pas la même chose dans tous les domaines. Je veux dire, en écriture, en littérature, par exemple, les femmes ont fait leur place, en peinture aussi. Donc, c'est pas généralisé. Mais ce sont des métiers un peu comme le cinéma, où les femmes ont beaucoup de difficultés à sortir des stéréotypes. Les stéréotypes féminins sont tellement forts en cinéma, c'est pareil. Que quand t'arrives, toi, comme réalisatrice ou comme dessinatrice, t'es comme un peu à l'envers, là, tu sais, t'es à contre-courant. T'identifies à Claire Bretéché. Elle avait 10 ans de plus que nous à l'époque, donc c'était comme notre modèle aux femmes de ma génération. Et puis, les femmes de ma génération, je parle des baby boomers jusqu'à, par exemple, Diane Obom-Sawin, pour moi, c'est une grande artiste comme Julie Doucette. Donc, je réserve mon opinion pour les plus jeunes parce qu'il y a vraiment une seconde génération qui commence, mais il n'y a pas comme d'entre-deux. Tu sais, il y a nous autres, donc moi jusqu'à Obom, qui est plus jeune que moi, Julie Doucette, et puis là, tout à coup, Lynn Arsenault, puis là, tout à coup, tu as une espèce de vide, puis là, tu as une seconde génération, mais on va leur donner le temps de bâtir une œuvre. Tu ne peux pas bâtir une œuvre en 5 ans. Il faut un bon 20 ans pour trouver qu'une artiste a quelque chose à dire et le dit bien. Comme je viens de finir le bouquin sur les femmes et l'humour, j'ai rencontré tellement des œuvres extraordinaires, mais je peux pas en nommer comme ça une ou deux. Mm-hmm. Ça voudrait exclure les autres. Ouais. Je pense qu'il y a tout un horizon qui s'ouvre actuellement avec l'Internet, avec les médias sociaux, avec les
les moyens nouveaux qu'on a de créer de façon tellement plus fluide, on va dire, de plus rapide aussi. Mm-hmm. Je pense que la nouvelle génération, je parle de celle qu'on connaît pas maintenant encore, là, j'ai beaucoup d'espoir pour dans 10-15 ans, mais actuellement, on a vraiment le backlash contre le féminisme, on va dire. On a une espèce de mouvement réactionnaire, des gars qui font de la BD avec des pouponnes sorties d'une autre époque. Tu sais, t'as des filles, des femmes qui soient au Moyen-Âge, en Égypte ancienne, ils ont toutes des gros totons, puis en ouais, tu sais, je veux dire, c'est qui ces modèles-là? Ça vient peut-être des jeux vidéo. Tu sais, il y a une espèce de mouvement, une espèce de boule là, qu'il faudrait secouer un peu. Puis je suis optimiste, mais il faut la secouer, cette boule-là. Là. On peut pas dire que la BD, c'est juste ça. Là. Tu sais, on peut pas. Puis les filles, veulent pas, elles sont encore imprégnées de ça. Les petites filles, elles lisent quoi? Elles regardent des jeux vidéo. Qui elle voit dans les jeux vidéo? Elle voit ces femmes-là, tu sais. Mm-hmm. Qui elle voit? Les petites princesses? Non, tu peux pas t'identifier à ça. Donc, il y a vraiment une espèce de mouvement qu'il faut qu'il se produise, là. Puis c'est pas à une ou deux dessinatrices, c'est à plusieurs dessinatrices. Il faudrait qu'il y ait des gangs. Mais bon, espérons. Les filles de nos jours, bon, j'ai interviewé des dessinatrices contemporaines plus jeunes, puis que ce soit ici ou même en France pour le livre, moi, je les ai pas interviewées moi-même, mais j'ai vu leurs entrevues. Mm-hmm. Elles ont l'air de dire, il n'y en a pas de problème, c'est correct. Mais oui, c'est sûr, c'est correct. Une fille, c'est pas un moment. Ah, wow, ils ont plein d'entrevues, ils ont plein d'expositions. Mais c'est pas ça le problème, c'est le discours. T'sais, c'est pas vrai que c'est arrivé. C'est hyper réactionnaire, souvent, pour les femmes. Il y a des opinions qu'on a sur, c'est fragile, c'est sensible, il faut dessiner gentiment, tu sais, on va parler des problèmes familiaux, etc. C'est pas ça la question. Puis ce qu'on avait à l'époque, puis dont je suis un peu, que je regrette, c'est qu'il y avait comme un consensus social autour de notre mouvement féministe de la première époque. Puis c'est ça qui a pu actuellement, à cause du backlash, une espèce de retour de chariot, c'est que là, t'as l'impression qu'il faut que tu secoues les gens pour leur dire mais non, faites attention, c'est pire, là, ça a jamais été si pire pour les filles, on dirait que c'est pire que dans les années 80, tu sais. J'ai vu une entrevue, il y avait une petite fille qui, à la télé, qui disait qu'elle voulait plus s'habiller en princesse, qu'elle voulait s'habiller en aventurière. Est-ce qu'il y en a des héroïnes aventurières? Est-ce qu'il y en a? T'sais, on a l'impression qu'on est dans une époque où on fragilise encore plus l'image de la femme. Comment tu veux que les dessinatrices dans ça s'y retrouvent? Donc, il y a vraiment un mouvement, là, je suis en train de travailler actuellement sur l'image des femmes dans la bande dessinée. Puis j'en découvre des affaires, c'est hallucinant, c'est à suivre. Mm-hmm. Mais il y a vraiment du travail à faire sur l'image qu'on projette, puis sur l'image qu'on voudrait projeter. To talk about the creative process of doing the Butch Dyke scenes, which are the best known of like my practice. They're basically like journalistic scenes, but they didn't really start like that. At first they were really just very basic fanzines. It was like a fan talking about people that she loved. It still is like that, but at first they were very very spontaneous and very not thought of too much. It was like everything was done super fast. But throughout time, I started doing more research to make the zines. I started getting more interested in making research. And the funny thing about this research is that I have to come to a point that I have 8 drawings and 8 pages of very short text. So it's about synthesizing the life of a person that I love and admire, in many cases an artist, in 8 specific moments or 8 or a few quotations, a few quotes that this person said, and it has been interesting because sometimes it's really easy to do that, but sometimes it's just you just go through so much stuff. Like in the case of Audre Lorde, it was sort of crazy because not only she wrote a lot, but she wrote lots of things that are very quotable. You know, like those little sentences that are really catchy and inspiring and interesting. There's like lots of that in her work. So to come to a point that I could
pick a couple and then tell her whole life story. And those little 8 pages, it took a long time in the end. And sometimes I think it's like easier to have longer narratives. But I like this format because it really forces me to synthesize someone's life very shortly. So I do a lot of research, I read a lot, I look for images online, I watch documentaries, and then I finally pick, let's say 10, 12 images, I draw of them, I pick the 8 best drawings, I write, sometimes I write directly in ink, the 8 little texts that are going to appear. Normally I draw in pencil, then I ink the drawings, then I scan everything and set up everything as a zine and make a cover. And so the process is really straightforward, it's really research, draw, write, make the layout. And it's always been like that, but it just got a little bit more complex throughout time in terms of research. And do you keep your original drawings, or is it important to you to keep them? I do keep my original drawings, but I never draw in good paper. So I'm keeping them. It's not super important for me to keep them, but I end up keeping them. But they're not going to last very long. I just use very cheap paper, and it's never, you know, like archival material or anything like that. For me, the real actual art product, artistic product, is the fanzine. It's the reproductive material that could even be like mass reproduced. This is the fun thing for me. This is the thing that attracts me in fanzines, because it's accessible. Not only anyone can have it, but anyone can make it. So I like that aspect of self-publishing and fanzine. I see myself as an artist, although I was a little reluctant at first to say so and to recognize myself as an artist. But people in my community helped me in that way, or sort of like told me that I should, basically, very directly. I think that's an issue that it's very common with women artists, especially, you know, and because of certain artistic practices that are not completely mainstream or not completely recognized by institutions like galleries and museums, although this is changing, specifically with self-publishing and fanzines. At first, it wasn't very important for me. I was doing it for myself and for a very specific public. I was doing for the dykes. I was doing for the LGBTQ public. And it didn't interest me to have any sort of like artistic recognition beyond people who were fans of the people I was also a fan of. But throughout time, I thought it was like interesting actually to have access to some institutions and see my work in galleries or museums or in different spaces like that. Because it also changes the space and it makes the space looks different when this sort of artistic practice is introduced and the public also comes to see that art as legitimate and also as something that is at the same time accessible, that they could do it and is respected. So in that sense, I think it's not exactly important, but it's interesting. It creates these venues for a new public and also stimulates the public of the zines to go to new venues. After I do this, I actually fix the drawing a lot and the computer. I scan it and
adjust a bunch of different things. I try to write and draw real women. So with historical figures, it's very difficult not to present your political point of view. Just by choosing them, you're already doing that. So the women that I pick are the women that I respect because of their activism sometimes and because of their artistic practice that was always in the margins, even when it was mainstream. It was always challenging the establishment. So yeah, it is political, but it's not political because I'm like a pamphletist or I'm like trying to be political, but it's all nature. It ends up being political. And I think that doesn't necessarily can affect the mainstream art world or the mainstream publishing world, but we need those narratives anyways. And if they're happening, and if they're still there, it means that someone is thirsty for them. And this is like reason enough for continuing doing that. I am not like a huge comic follower in the world of comic books. I'm a big fan, and I read a lot of comics. If you go see my bookshelf, it's like full of comics. But I don't really like follow exactly like the historic moment or anything like that. Of course, women have like a huge role in comics, and they've been doing great things in comics and in literature in general, of course, and I think it's changing slightly. Yeah, so the presence of women cartoonists is growing, and the presence of queer cartoonists is growing, and queer and feminist topics are coming more to the front. So this is all positive, and of course there are amazing artists doing work like that, like out there, and I'm not going to start citing each of them because it's like I forget names, so I'll just embarrass myself. But I can say that Julie Doucet and Alison Bechdel were great influences, and I just love their work so much. Glorian Zaldúa was a poet, an academic, and an essayist, a Chicano writer, very important for us dykes and in the United States. She was American. J.D. Sanson is a musician. Brazilian singers is a bunch of Brazilian singers in and out of the closet, but everybody knows that they're gay. Claude Cahun, photographer, writer, poet, French, and also an activist during the Second World War. Audre Lorde, poet, essayist, teacher, educator. Martina Navratilova, tennis player. Judith Butler, philosopher. Gladys Bentling, jazz musician. Jenny Shimizu is an actor and a model, a fashion model. Gertrude Stein, a writer, novelist, and a modernist. Chavela Vargas, singer, Mexican singer. And this is a little zine about a bunch of dyke filmmakers. BND Press started almost as a joke, not as a joke, but just a playful thing, really. Let's make some zines and sell them. And things started getting really seriously fun. It was like we were having a great time, Jenny Lane and I, with the press, and always like making new zines, and the Butch like zines were getting a lot of attention. And
we wanted to share that with like our community and to have more artists coming here, and we have like an actual passion for the printed material and the published material and the processes around it, being it digital or silk screen or risograph, and they wanted to experiment with all those things, and we wanted to see how other people's work would fit in our practice. VND Press is not really a commercial publishing company at all. It is an artistic project. It's art. We sell the zines, but we don't really make money with them. And I think it's very interesting to use as a platform to make art something that has a commercial format, because this makes people to be completely unafraid. People are very good consumers sometimes, and they become very unafraid of things if you just put a price on them and say like, oh, you can buy this shit. So you just like get the things. It's like, oh, it's just like you touch it. It's very close to you. Don't for the public and sitting in book fairs and having the public chatting with us. This is all very approachable, like very, very close to the public. People come and talk to us and give suggestions, and they feel that the bootstraps are theirs too. So like, oh, you should do this person, you should do this person next. And they like, Jenny makes autobiographical books and they know her life, and they come and talk about their lives with them. So like, oh, I also was in a bike accident and this happened to me. And so this proximity with the public is lovely, and also the fact that the public feels very close to the art is fantastic. It feels very good. It's really very different than hanging a bunch of pictures in a gallery. Nothing against that. I'm like a big fan of pictures in general. If you see, like I have tons of arts that I like admire deeply, but I find it like so fulfilling to have this direct contact with the public, and this is one of the things that having a small press allows us to do. Yeah, I'm like just looking at this photograph of Gabriela Mistral and drawing her hair. And this is going to become a Butch-Dyke zine in the near future. So I start by drawing, I do a pencil drawing, and then after I do a pencil drawing, I ink the drawing.